Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Let's Play sur Virginia, un jeu qui est sorti en septembre 2016, qui est édité par 505 Games et que j'avais envie de faire, en Let's Play sur la chaîne. Alors je sais pas ce que ça va donner, c'est un jeu narratif, ça va pas être des combats à tous les coins de rue, ça va être juste, on va vivre une histoire dans l'intérieur, on va partager une histoire ensemble, et apparemment il y a du what the fuck complet. Je me suis pas spoilé, mais apparemment ça finit un peu en what the fuck d'après ce que j'ai compris. Donc on va tout de suite découvrir cette histoire, et on va aller dedans. Enfin. Au cours de l'été 1992, le FBI a conduit une enquête dans une petite ville de Virginie. L'histoire suivante a été écrite en se basant sur le compte rendu officiel des événements. Et bienvenue dans le monde merveilleux de Mulder et de Scully. À l'écran, enfin, celui qui va vous parler, qui va vous conter cette histoire, n'est autre que Mulder Balrog. Et non, en fait, on incarne Scully. Se mettre un peu de rouge à lèvres pour commencer. Rentrons-nous dans le bureau 209? Ben non, on peut pas rentrer dans le bureau 209. What? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on fait la queue comme ça? Ça m'inquiète. Mais cela présage rien de bon. Surtout qu'elle a pas l'air sympa, la nana. Bonjour, madame. Tu fais quoi, là? What? Ok, c'est le jour où je deviens agent du FBI. Bonjour, monsieur. Je veux devenir agent du FBI. Bonjour. Merci. Oh, c'est gentil. Merci. Je vais pouvoir aller arrêter des méchants. Bonjour, merci. What? J'ai fait quoi? Ah. Ok. J'étais en train de rêver peut-être, non? Qu'est-ce que je fous là? What? Mais c'est moi dans le lit! Mais what? Mais c'est moi! La drogue, c'est mal. Non, c'était un rêve qu'elle faisait. Vas-y, frappe-le. Voilà, bien. Non, frappe. Putain, tu vas t'arrêter, connerie! Voilà, c'est bon. Ah, les réveils. Toujours un bonheur. Même pas un petit popo avant de partir au boulot? T'es sûr? On pourrait faire regarder du PQ et tout. Non, tu veux pas faire un petit... Bon, d'accord, on va aller au boulot. T'es pas marrant, toi. Non? Ah, du rouge à lèvres. J'avais oublié de me mettre du rouge à lèvres. Je suis pas habitué non plus à me mettre du rouge à lèvres, faut dire, hein. What? Pourquoi tu le jettes? Il était pas fini, le rouge à lèvres? Mais... Bon. Elle l'aimait plus, peut-être, je sais pas. Et bienvenue dans le taxi de Scully Balrog. Lundi, Monday, et premier jour, first day. Apprenez l'anglais avec Balrog. Un premier cours. Pourquoi j'ai un truc dans la main? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on est où? Oh, il a plus de cheveux, le monsieur. Oh, mais lui non plus, dis donc. Bonjour! Ça va, mais oui, ça va. Et toi, Geneviève, ta femme, va bien? Ouais? Et couche toujours avec Georges? Ouah, ça donne envie, hein. C'est...
Ça donne envie de rentrer au FBI et d'avoir son petit bureau, son petit ordinateur, ça... Waouh, c'est la fête, hein. Youhou. Ça se voit qu'il s'amuse, hein. Je vais où? C'est peut-être moi, là? Non, c'est pas moi. Je suis quel numéro? Y'a pas un numéro? Peut-être là que je suis. Oh. Non, on peut pas. Ouais, c'est la chef, ça. Oh, c'est une chef. Bonjour! Ah non, c'est la secrétaire du chef, à tous les coups. Bonjour! Oh, je te cause. Bon, j'ouvre la porte, hein. Le bureau du directeur. Oh, il a un grand bureau, dis donc. Oh, dis donc. Bonjour, chef. Vous savez qu'il n'y a plus le droit de fumer, chef? Pourquoi tu regardes mon dossier? Noméo? What? Bonjour, chef! Quoi, qu'est-ce que... Bah ouais, quoi. Confidentiel secret. Oh! Je suis sujet à une enquête interne. Oh merde. Mais j'ai fait des conneries. Oh, il y a une plume par terre. Une plume. Une plume bleue. Du cul d'un oiseau. En retrouvant cette plume, vous réussirez à recréer l'oiseau. Pauvre bête. Ça doit faire mal, n'empêche, pour un oiseau de se faire arracher une plume. T'imagines? En plus, une plume de cul comme ça, ça va faire super mal. C'est pas un peu glauque, là? Pourquoi je suis obligé de passer par le sous-sol? Ouh, c'est Mulder! Mulder aussi était coincé au sous-sol comme ça. C'est grosse référence quand même à Mulder et Scully, parce que t'avais Mulder qui avait son bureau au sous-sol aussi, et Scully qui avait été affecté... Ah, c'est peut-être ça, en fait. Scully a peut-être été... ma Scully, enfin moi, j'ai peut-être été affecté à Mulder pour le surveiller. C'est pas Mulder, comment il s'appelle, lui? Maria Halperin. C'est une nana? Ah oui, c'est Maria. Salut, Maria! Oh. Salut. Quoi? J'ai rien fait encore. Ah. C'est quoi que t'as là? C'est rouge. On peut voir? On peut voir. S'il te plaît. What? Pourquoi tu t'en vas? Ah, je vais avec elle. Le tunnel. In the car. Non, the car in the tunnel. Apprenez l'anglais avec Valros. Allume tes feux, toi! Je te jure. Bienvenue à Kingdom. Population de moins en moins. Ouh, attends, tu m'avais pas dit qu'on tournait. Kingdom Overlook, ok. Donc en fait, on est venu faire une enquête à Kingdom. Je peux avoir du café, madame, s'il vous plaît? Bon, un petit coup de... Pourquoi moi j'ai pas le droit de boire mon café? Mais... Ah, c'est à moi de payer en plus? La bâtarde. C'est cher en plus. Ah, elle a fait un petit smiley, la serveuse. Oh, c'est sympa. What? Missing, Lucas. Il y a Lucas qui est missing. Il est disparu, quoi. Heureusement que je suis là pour vous traduire. Hein. Oh, c'est un curé irlandais. Les gros clichés, tu sais. Il est rouquin, donc il est irlandais. Attends, il faut que je monte ma badge aussi. Souriez, souriez, le monsieur nous regarde. What, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, Jean-Claude? Bah alors? Ok, c'était leur fils. Donc le père, c'est le curé. Le prêtre. T'as la mère. Enfin, c'est pas... C'est un pasteur, je crois qu'on appelle ça aux États-Unis. Plus. Et t'as le fils. Ok, et le fils a disparu. Il a missing. Ok.
Les graphismes sont pas GG du tout, mais l'atmosphère est super bien faite, les décors, tout ça, les scènes sont bien construites, c'est joli en fait de ce point de vue-là. Il n'y a rien qui cloche, il n'y a pas un pet de travers, la petite lumière qui passe par la fenêtre, des petits grains de poussière quand on s'approche, qui flottent dans la lumière, c'est franchement sympathique. La mise en scène, voilà, la mise en scène est franchement sympathique. Un couteau. Est-ce qu'ils ont tué Lucas avec le couteau ? N'empêche, tout est lié, hein, parce que dans la démo de Resident Evil, je vous rappelle que c'était Lucas le maléfique. Lucas qui avait tué ses parents et qu'ils avaient enfermé, découpé et tout dans la cave. Et bah là, c'est Lucas qui a disparu. Donc tout est lié, je vous dis, tout est lié. The chamber, the room. Un truc dans la poubelle. Computer science. What? Attends. New student. Ok, bah il s'est inscrit au collège. Pourquoi il a mis son inscription au collège à la poubelle? Et ben alors, détective. On n'est pas dans la merde. Un sac. Une bague. Cliché américain, la Bible au coin du lit. Je sais pas si c'est ceux qui ont été aux États-Unis dans les commentaires, c'est un cliché ou c'est vraiment comme ça? Est-ce qu'il y a vraiment une Bible qui traîne dans tous les tables d'hôtel et tout ça? Ou c'est un cliché Oh! Une plume et deux culs d'oiseau. Ou c'est vraiment un cliché qu'on voit, qu'on croit à cause des séries, des films et tout ça? Ou c'est réellement le cas? Oh, c'est la chambre de Lucas. Lucas! Il est peut-être sous son lit, hein, on sait pas. Enfin non, si c'est celui de Resident Evil, il est pas sous le lit. Hein. Ou alors il s'hache. Mais... Bon déjà, il a pas pris son sac avec lui, il est trop con. Ah, j'ai pas beaucoup de poitrine, dis donc. Mais c'est vrai, en fait, quand on est un mec, on se rend pas compte... Mais en fait, ça doit se faire bizarre quand on a des trucs qui dépassent comme ça. Ça fait bizarre. Oh, secret passage. Passage. Ok, il fait des photos avec son pote. Il fait des photos sous le réservoir. Il prend une photo de sa mère avec un flic. Moi je dis c'est le flic qui est là, qui est en train de sortir avec sa mère, qui a tué le petit Lucas parce qu'il avait fait des photos de lui en train de sortir avec sa mère. Moi je dis, j'annonce, comme ça, d'emblée, direct, comme ça. What? Qu'est-ce qu'il lui prend à elle? Oh putain, il fait quoi lui? Wow. Ok, ou calme, comme ça, tranquille, t'as le bison qui traverse la route.